À l'École d'éducation internationale Saint-Mathieu de Québec, des élèves du primaire ont utilisé un nouvel outil informatique. Le but visé, l'amélioration des compétences en orthographe. Dans cette classe spécialisée, cette nouvelle façon d'apprendre a-t-elle aidé? Moi, c'est un logiciel qui m'a apporté beaucoup d'aide. Pour moi, qu'est-ce que j'ai préféré, c'est l'orthographe puis les graphes, parce que dans l'orthographe, qu'est-ce qui est le fun? Ils te disent les mots, tu peux les répéter. Puis quand t'as une faute, ils te le disent. Au début de l'année, j'étais pas vraiment fort là-dedans. Puis là, à force de toutes les répéter tout le temps, puis là, ça m'a beaucoup aidé. Puis maintenant, je pète des 90 dans mes dictées. Parfait. Ils étaient contents de savoir qu'il y avait un logiciel qui pouvait les aider, puis surtout le fait que ce soit à l'ordinateur, pour eux, c'était un privilège de faire Dive Buster. Ce qui est bien dans Dive Buster, c'est le côté multisensoriel. On touche vraiment à la couleur, certaines lettres, les différentes couleurs, les différents sons, ce qui fait que l'enfant peut intégrer des mots en fonction du sens qui est le plus présent chez lui. Victoire. Ce nouvel outil est efficace chez les élèves ayant des difficultés autant en classe spéciale qu'en classe régulière. Son utilisation est simple. Un petit groupe d'élèves s'entraîne à l'ordinateur pendant que l'enseignant s'occupe des autres élèves. Des séances de 15 minutes permettent une progression optimale. Les enfants, l'orthographe, c'est pas quelque chose qu'ils adorent en général, habituellement. Là, c'est sur une autre forme, avec des jeux qui touchent plusieurs sens. Donc ça les a beaucoup accrochés. Ça va bien, les filles? Oui. Les élèves baignent dans la technologie depuis qu'ils sont au monde. Donc c'est quelque chose qui est naturel pour eux. Donc ça les interpelle, ils adorent ça. Ça va davantage avec leur goût, leurs intérêts. Dive Buster est complémentaire à ce que je fais en classe puisqu'il utilise un aspect multisensoriel puis interactif avec les enfants. Chapeau. J'ai jamais entendu « Oh non, on fait Dive Buster ». Tandis que des fois, autre chose, pour écrire des mots d'orthographe simplement, là, je peux avoir des « Oh non ». Mais avec Dive Buster, j'en ai jamais eu. J'aime que Dive Buster utilise la musique puis les couleurs parce que ça fait plus artistique puis ça décore. C'est pas juste noir et blanc. Puis ça nous aide plus à apprendre. Ce que j'aime, c'est que les lettres ont des couleurs différentes et des musiques différentes. Il y a un mot que j'ai appris avec Dive Buster, puis c'est maîtresse, parce que je me rappelais que l'accent circonflexe sur le i était crush. Il y a un mot que j'ai appris avec Dive Buster, c'est prairie. Avant, je mettais un y après le a, mais là, je mets un i après le a. Le logiciel m'a beaucoup aidée parce qu'on apprend les mots par cœur, toutes les modules, on les apprend, puis ça devient de plus en plus facile. Adaptés aux élèves d'aujourd'hui, les nouveaux outils informatiques répondent à un besoin criant ressenti par l'ensemble du personnel scolaire. Nos élèves ont certains besoins auxquels les méthodes traditionnelles ne répondent pas. L'utilisation du logiciel Dive Buster Orthographe peut être pertinent pour tous les élèves, peu importe qu'ils soient en classe régulière ou en classe spécialisée. Je conseillerais aisément à mes collègues directeurs d'utiliser ce nouveau logiciel-là parce qu'il bonifie les pratiques actuelles. Pour vous procurer une licence de Dive Buster Orthographe, il suffit de communiquer avec Mathémo Monde pour l'Amérique et Cléo Monde pour l'Europe. Bon apprentissage à tous!